Commence à zéro. Plus que des complices musicaux, Michel et Luc sont devenus des amis pour la vie. Et déjà, ils projettent une version anglaise de l'opéra rock. Toucher le public anglo-saxon avec une musique et une histoire franco-québécoise? Vraiment? Vous êtes sûr? Au début des années 80, après avoir déjoué toutes les prédictions du monde musical français avec Starmania, l'artiste Michel Berger se heurte au mur de l'Atlantique. En septembre, Starmania est consacré au Canada. Prix des meilleures interprètes féminines et masculines, meilleure chanson pour le blues du businessman, meilleur album de l'année. Starmania pour le micro silence. Ça, on s'y attendait pas. Hein. Je vous avoue qu'on espère bien gros gagner le show de l'année, mais ça, on s'y attendait pas. Durant ces années de l'après-Starmania, la force créatrice de Luc et Michel semble infinie. Ils trustent les premières places des hit-parades. On est tous des superstars le matin dans notre miroir. Le soir au fond d'un bar, on fait tous du show business. Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers, ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma, qui me fais mon cinéma. La vie sera mieux que si.
sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers, ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma, qui me fais mon cinéma. Venez pas me débattre, venez pas me secourir, venez plutôt m'abattre pour m'empêcher de souffrir. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre et me laisser mourir, et me laisser mourir. Laissez-moi me débattre. Compositeur vient de mourir ce matin d'une crise cardiaque, il n'avait que 45 ans. Il est un temps, surtout là, disons, après la mort de Michel Berger, où je me suis retrouvé tout seul. Je me sentis un petit peu le seul parrain. Aujourd'hui à Lille, bon, il y a 5000 personnes et il y a peut-être sur les 5000, je ne sais pas, 25% au moins qui sont, peut-être plus que ça, qui sont des moins de 20 ans, et, donc qui n'étaient pas nés quand j'ai écrit Starmania. Les gens, tout public. J'ai même pas besoin de chanter. Je ne chante pas. Je suis comme Ziggy et tout le monde part à chanter. Je suis pas lui. Ça, il faut que ça fasse un velours à Luc à quelque part. Ça doit lui faire plaisir tellement. Tu sais, c'est pas juste un interprète qui chante une de ses chansons qui existe depuis très longtemps et que plusieurs interprètes le font. Mais de voir un public tout entier chanter le texte d'une chanson de A à Z, il faut que ça fasse un velours à quelque part. Il doit être tellement fier.
Dylan, qui est pour moi une des chansons qui groove le plus. Et j'aurais voulu être un artiste. Je trouve cette chanson-là. Le résultat de ça, le texte, la magie de la musique, du texte, l'interprétation de Claude Dubois, je pense que c'est pour moi, oui, c'est, j'appelle ça un chef-d'œuvre. Businessman, c'est encore le hit que Claude Dubois chante dans tous ses spectacles. Ça fait 22 ans que ça marche. 22 ans. Puis c'est encore la chanson, puis on s'en lâche jamais. Le gars qui a écrit les paroles, là, ben, c'est parce qu'il a écrit comme universel. Le fait d'avoir pu interpréter ce beau rôle-là que Luc m'offrait, qui a fait en sorte que j'ai pris la décision de faire ce métier d'interprète. Tu que l'on inscrive sur ta pierre tombale? J'aurais voulu être un artiste. J'aurais voulu être un artiste! Je peux vous avouer quelque chose, j'aurais bien aimé ça chanter comme Claude Dubois. J'aurais voulu être un artiste. Starmania, à partir du 8 novembre à la scène musicale et en tournée dans toute la France.